Et salut tout le monde, c'est MonsterCraft106, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se retrouve pour un Fight Club, c'est que je retrouve sur Epic Cube. On est sur les nouveaux events d'Epic Cube, enfin qui sont plus très nouveaux. Du coup ça fait assez longtemps qu'ils ont été lancés et ça faisait aussi assez longtemps que je voulais vous faire dessus. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour un Fight Club scénarisé. Il y a aussi des UFC scénarisés que j'aimerais vous faire en série. Donc en fait pour ceux qui connaissent pas les Fight Club et les UFC scénarisés, pour les Fight Club en fait c'est des Fight Club qui sont tout simplement scénarisés. Donc en fait c'est un Fight Club normal avec les maps du Fight Club, mais avec avec des items au départ différents et différents à chaque swap. Donc là c'était du one shot, donc pour ceux qui connaissent pas le one shot, c'est on a un arc ou une épée ou les deux qui permettent de tuer en un seul coup son adversaire. Donc le but c'est de mettre la première flèche et de le tuer en premier. Donc c'est assez chaud, une seule flèche tue. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo de Fight Club scénarisé pour commencer la série, parce que ça prenait pas énormément de temps à rec ni énormément de temps à commenter, vu que je vais vous commenter ça assez rapidement parce que j'ai pas énormément de choses à dire non plus. Je vais vous parler de ça. Pour ceux qui connaissent pas, donc les Fight Club j'ai expliqué, et les UHC c'est des UHC en fait avec différents scénarios, donc qui permettent de changer l'UHC en fait, qui font à chaque fois des UHC différents, mais bon, ça je vous en parlerai surtout dans une prochaine vidéo, et dans la seconde vidéo de la série qui sera sûrement un UHC scénarisé, et du coup vous pourrez bien comprendre comment c'est, et ce type, c'est les événements qui sont au sol. Sinon, je vais vous parler d'un autre truc, c'était que, on va juste regarder ce qui est au début quand même, hop. Voilà la petite flèche qui fait plaisir. Tout ce qui est Fight Club et UHC scénarisé, c'est toujours des Fight Club, des UHC, c'est les jeux de base avec des nouvelles choses. Donc ça permet de changer, de faire des trucs mieux ou moins bien. En général c'est mieux. Mais franchement j'adore ce type de jeu, et vu que j'y joue depuis pas mal de temps, je voulais vous faire une vidéo, la deuxième partie en fait de ce que je vous expliquais. C'est pourquoi j'en ai pas fait, c'est tout simplement parce que mon disque dur a des problèmes en fait, et il peut arrêter de marcher très cool, et il peut en fait, le problème c'est que du coup quand il y a un risque que dur veuille plus écrire, parce que vu que je filme, ça utilise mon disque dur pour le sauvegarder ce que je filme, et le problème c'est que des fois il veut pas, du coup simplement, et ça me sauvegarde pas ce que j'ai filmé, donc ça m'est arrivé pas mal de fois et c'est assez relou. Du coup c'est pour ça que j'ai racheté un nouveau disque dur que j'ai reçu exactement hier, et du coup je l'ai reçu. Le seul problème c'est que je vais mettre du temps à l'installer, du coup je vais devoir réinstaller toutes mes applications, ça va prendre du temps et vous aurez peut-être pas de vidéo pendant quelques jours, puisque ça se verra pas, qu'il n'y aura pas vraiment vidéo pendant beaucoup de temps, donc ça on verra, j'espère que ça va bien se passer. Du coup c'est tout pour le disque dur, je vais en avoir un nouveau, je vais pouvoir vous règle du PV, sûrement vu qu'il y en avait de moins en moins. Là je vais me prendre une flèche. Ce combat était assez long. J'ai tort à le toucher, mais au final il s'est devenu. C'était assez chaud, je pensais que j'allais peut-être mourir. Au final, j'ai eu pas mal de flèches qui m'ont frôlé quand même. Hop, donc là c'est la flèche parfaite, on l'a tué. Du coup, pour le disque dur c'est bon. Je me répète pas mal, mais c'est bon. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Pour les Fight Club, à mon avis, vous avez compris, c'est juste le stuff de départ qui change. C'est une prochaine vidéo, et vu que j'en ferai beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Et du coup, je voulais parler d'une dernière chose, un petit peu nul. Je vais vous faire, juste après que j'ai fini de tuer le dernier gars, que j'ai dit ma petite phrase de fin comme d'habitude, je vous montrerai tous les kills que j'ai fait sur ce jeu, sur ce Fight Club vidéo, donc vous allez pouvoir voir tous mes kills, ça va être cool. Je pourrais que cette vidéo reste sans âge, qu'elle soit totalement nulle, donc vous allez pouvoir voir tous les kills au ralenti, pas au ralenti, ça va être super.
Donc là, j'étais en train de faire l'impression de vitesse. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires comme d'habitude, s'il y a des choses que j'ai pas trop précisées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner. Ça me fera super plaisir et en tout cas, je vous dis à tout de suite pour tous les kills. Allez, c'est parti!